Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies de la semaine. Alors, on va regarder déjà pour lundi. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour les énergies du lundi? Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end et en espérant que la semaine qui vient soit un petit peu plus tranquille que les précédentes. Alors, pour lundi. On va nous parler de quelque chose ici qui se termine, quelque chose en lien avec le cœur. Alors, on va essayer de regarder si on peut en savoir un petit peu plus. Peut-être un conflit qui se termine ici, hein. En tout cas, il y a quelque chose. Alors, pour certains ou certaines, ça. Qui sont, alors je ne vais pas parler de couple, ça peut parler peut-être d'une relation qui dure depuis peu. On peut nous parler d'une discussion un petit peu conflictuelle qui va peut-être vous mener vers une coupure, d'accord? Si c'est pas dans dans ce cas-là, je vais faire une petite coupe parce qu'ici c'est vraiment bizarre, ça va pas toucher tout le monde, hein. Ça me parle vraiment que comme ça. Pour d'autres, alors, dans ce qu'on dit avec la coupe que j'ai, je vais quand même vous la montrer. On nous parle ici très clairement au niveau des dons. Ici, donc, il peut y avoir comme un espèce de blocage qui se fait, un blocage aussi dans la communication avec les guides pour certaines personnes sur l'évolution. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de repos, et c'est pour les guides, c'est pas forcément primordial de trop vous donner d'informations pour le moment. Il serait peut-être plutôt il serait peut-être meilleur de privilégier un petit peu le repos, hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de me dire ici. Donc ça touchera pas tout le monde, bien évidemment. Voilà sur les énergies de lundi. Je peux pas vous dire si on commence bien la semaine ou pas. On va attendre, on va voir déjà que mardi, ça nous donnera un petit peu une idée sur le reste de la semaine. Alors, pour mardi, s'il vous plaît. Alors, on a déjà eu une carte. Alors, c'est qu'on nous parle de travail. On en a eu deux autres. Alors, ça peut être en lien aussi avec ce que j'ai dit pour lundi, hein. On peut nous parler ici d'un travail sur du long terme. Donc, il y a des choses, il y a des efforts à ne pas relâcher. Pour d'autres, on peut très bien nous parler d'un travail en lien avec la santé. On peut nous parler aussi d'énergéticienne ici. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Un blocage. Alors, ici, c'est rigolo parce que ça me fait énormément penser à la vidéo que j'ai fait au coin du feu. On me parle aussi de rémunération ici. Donc, si vous êtes énergéticienne, que vous procurez des soins, vous avez droit d'être rémunéré, d'accord? Votre prix, celui qui vous semble le plus juste, sera le bon. D'accord? On ne vous donne pas de base ici, c'est à vous de savoir. Donc, c'est possible qu'il y ait un petit blocage par rapport à ça pour qu'il y ait quand même une sorte de remise en question pour certains ou certaines d'entre vous afin de faire les choses un petit peu plus justes envers vous. D'accord? Vous fournissez un travail, donc il est normal quand même d'obtenir quelque chose derrière afin de pas utiliser toutes vos ressources pour les gens et vous n'obtenez rien en retour. D'accord? Donc ça ne vient pas de moi, bien évidemment, ça vient des guides. Pour mardi, donc j'ai l'impression ici qu'on essaie un petit peu de remonter les bretelles à certaines personnes. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Je pense qu'il doit y avoir des prises de conscience qui doivent être faites. Alors, travaillez peut-être un petit peu sur vous et puis vous trouverez certainement les solutions, hein. Alors, pour mercredi, des nouvelles choses à voir si c'est positif ou pas. Alors, pour certains ou certaines, on me parle de nouveaux progrès. D'une nouvelle abondance qui pourrait venir. Donc, ce n'est pas forcément financièrement ici, hein. Je fais une petite coupe. On peut nous parler ici quelque chose en lien avec du travail, avec un travail, quelque chose qui vient quand même assez rapidement. Je vais reprendre encore quelques cartes. Pour vous, mesdames, il va être question vraiment pour mercredi, c'est d'approfondir un petit peu plus vos connaissances.
En tout cas, ce qui se dirige vers vous ici pour mercredi, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous ouvrir un petit peu plus. Et ça pourra vraiment déboucher sur une signature là. D'accord? Donc, ça vient plutôt positif, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais remélanger les cartes pour voir. Jeudi, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Alors, les énergies de jeudi. On a déjà eu deux cartes. Jeudi, une opportunité à l'extérieur ici. Ça peut être une visite, d'accord? Ça peut être que vous vous déplacez pour voir quelque chose ici. C'est quelque chose qui va dans le sens de ce que vous avez eu demandé. Elles sont liées, les deux, hein? Alors, y a-t-il une autre carte? Je vais prendre celle-là. Ça peut être aussi une conversation en lien avec un patron. Peut-être ça peut être aussi en lien avec un nouveau travail, une nouvelle offre de travail ici, hein. Alors, je regarde s'il y a autre chose qui vient, encore une fois de plus. Alors, on nous parle d'une certaine lenteur quand même. D'une lenteur sur la durée, mais on vous dit que de toute façon, c'est un souhait qui sera exaucé, quelque chose qui va un petit peu dans votre sens, pour une fois. Donc, j'ai envie de vous dire, profitez de cette opportunité. Alors, on regarde la suite pour vendredi. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour vendredi? Alors, on en a eu deux. Vendredi. Pour certains, on va nous parler de changement. Pour d'autres, une avancée vers une coupure, vers quelque chose qui doit s'arrêter. C'est pas dans le négatif ici, hein, ce qu'on dit. C'est une coupure que vous décidez de mettre, tout simplement. Vous décidez justement d'accéder à cette coupure pour un bien pour lequel je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en lien avec quelque chose que vous avez demandé. C'est comme si on vous dit, vous avez demandé tout simplement à ce qu'on vous ouvre les portes, qu'on vous ouvre peut-être aussi les yeux sur une certaine situation. Et ici, on va vous donner justement une réponse à votre question. Ça va être un signe qu'on va vous envoyer qui sera limpide pour vous, qui va vous aider justement, j'ai envie de vous dire, à prendre le taureau par les cornes ici. Donc, c'est quelque chose qui va se faire quand même assez rapidement. Assez rapidement, au vu du temps que vous avez laissé passer jusqu'ici, j'ai l'impression que ce sera quand même une décision assez radicale pour certains d'entre vous pour pouvoir accéder en fait à ce nouveau chemin. Je reprends encore une petite. Dans tous les cas, c'est un chemin. Alors, vous voyez pas toutes les cartes. Dans tous les cas, c'est un chemin ici qui va vous permettre d'acquérir une certaine stabilité, autant émotionnel que dans le professionnel ici. Donc ça va aussi vous apaiser vous intérieurement parce qu'on est quand même assez stressé ici, c'est ce que je ressens chez certaines personnes. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de stress, de l'agressivité parfois. Et cette situation-là, justement, elle va faire en sorte de pouvoir rééquilibrer un petit peu les énergies actuelles. Alors, on va faire un petit tour du côté du week-end pour voir à quoi est-ce qu'on doit s'attendre concernant le week-end, les énergies qui vont nous accompagner. Donc, on peut nous parler ici d'un accord pour le week-end, un accord pour un nouveau chemin. Donc, peut-être quelque chose qui va arriver, qui va vous aider peut-être à prendre une décision, voire à vous ouvrir peut-être une nouvelle porte sur un nouveau chemin ici. Sur un nouveau chemin, peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps d'exploiter, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va dans votre sens parce que ça reflète, dans ce que j'entends, c'est que ça reflète votre propre vérité. Ici, voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et c'est quelque chose qui durera dans le temps. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour la plupart de vous ce week-end, mais en tous les cas, ça va vous réussir aussi dans le temps. Donc, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour les énergies de la semaine. Le week-end, eh ben, prenez-en note. S'il y a des petites choses qui viennent à vous, ben, il faut solliciter, il faut un petit peu s'engager, aller de l'avant, soyez confiant. J'ai l'impression ici que les énergies sont vraiment en train de changer.
pour vous apporter tout simplement un mieux. Donc, si vous avez ces opportunités-là qui se présentent à vous, foncez. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée en lien avec les défunts ou bien tout ce qui est de l'aspect général, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure juste en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis à toutes et à tous un grand merci et surtout, prenez soin de vous.